Madame, monsieur, bonsoir. Carrefour d'analyse, votre magazine de décryptage d'informations politiques au rendez-vous. Deux grandes questions de la semaine que nous allons justement traiter. La question qui concerne l'évêque Pascal Mukuna qui a été placé sous mandat d'arrêt provisoire par la justice à Kinshasa. Plusieurs griefs lui sont reprochés, notamment par rapport à une plainte déposée par une certaine Mami Tshibola. Une autre plainte avait été déposée le même jour par un collectif deux membres de la famille d'Emmanuel Laurent Désiré Kabila qui justement reproche l'homme de l'Église ou lui demande de donner des éléments par rapport à sa dernière intervention dans Éveil patriotique où il avait parlé de la mort d'Emmanuel Laurent Désiré Kabila. Le contour de la question à décrypter dans ce magazine. On va également revenir sur le début du procès Vital Kamerhe à Kinshasa, le directeur du cabinet du chef de l'État qui est poursuivi notamment pour des détournements présumés des fonds alloués à la gestion de 100 premiers jours du chef de l'État. On décrypte ces deux questions avec trois invités qui sont avec nous. D'abord, le cash, c'est par l'entremise de la DCU de Vidi Chimanga, qui est représenté par son président interfédéral, M. John Tshamala. Merci d'accepter notre invitation. Merci, M. José, et je profite aussi de l'occasion pour saluer mes deux co-débatteurs sur ce plateau ce soir. Bien, nous avons également sur ce plateau pour décrypter ce numéro de Carrefour d'analyse, M. Momo Moulapou, qui nous fait l'honneur d'être avec nous. Il vient de Kolwezi, il est cadre du PPRD. M. Momo Moulapou, merci d'accepter notre invitation. Merci, je vous salue et salue tous ceux qui prennent la peine de nous suivre, mes débatteurs également. Voilà, nous avons également dans l'autre camp, je ne sais pas s'il va accepter qu'on l'appelle l'opposant, M. John Kumwimba, président interfédéral de Nouvel Élan de Adolphe Mozito. Il ne veut pas qu'on l'appelle opposant, c'est ça? Certainement, M. José, et bonsoir d'abord à mes deux co-débatteurs, bonsoir à la population qui nous suit à ce net moment. Nous sommes la Mouka, nous sommes des résistants pacifiques. Nous ne sommes pas opposants, nous sommes des résistants pacifiques, nous sommes de la Mouka. Voilà. On va tout de suite débuter ce magazine Carrefour d'analyse par M. Momo Moulapou. Alors, M. Momo, quel est le contour ou le décor que vous plantez par rapport à ce mandat d'arrêt provisoire de l'évêque Pascal Mukuna? Écoutez, la situation est à peu près est un peu dure pour moi de parler parce que c'est un confrère. Avec une double casquette. Voilà, voilà. Il est à la fois confrère et malheureusement nouveau venu dans l'arène politique. Et malheureusement, il s'est reparti très très mal dans cette histoire de politique. Et avec ce que nous vivons aujourd'hui comme début, c'est-à-dire début de sa carrière politique, 3-4 mois après. Début de sa carrière politique, c'est ça? Oui, c'est un débutant en politique. De tous ces jours, il a refusé de faire de la politique. Maintenant qu'il a lancé son fameux éveil patriotique, 3 mois après, il se retrouve coincé en prison. C'est malheureux, mais est-il qu'il y a des faits? Il y a des faits, on ne peut pas dire non aux faits. On ne peut pas aussi se réjouir de sa mise en prison. Tout ce que nous disons, c'est que nous espérons que l'avenir sera le meilleur pour lui et aussi meilleur pour celle qui s'est dit être sa victime. Et nous espérons que l'éveil patriotique va enfin prendre la bonne direction, c'est-à-dire celle de réellement éveiller les Congolais. Donc l'éveil patriotique n'avait pas une bonne direction, c'est ça? Non, ce n'était pas une bonne direction. La direction intuitive personne. Donc on était en train de viser des individus. Quel individu? Notamment, il disait clairement qu'il visait Joseph Kabila. Et c'était ça la mauvaise direction de l'éveil patriotique? Une mauvaise direction. On revient. On ne peut pas imaginer construire un pays sans quelques-uns de ses enfants destiné à la boucherie de la colère ou la vindicte de quelques-uns, ce n'est pas juste. Nous, quand nous venons parler, nous voulons la vie pour vous tous. Même vous qui ne nous aimez pas là, nous voulons la vie pour vous, mais
à moins que vous compreniez que cette société, c'est à nous de la bâtir. Ce n'est pas les autres, ce n'est pas les Blancs, ce n'est pas ces pays ou quoi quoi. C'est vous et nous, nous devons bâtir. Et c'est pour ça que nous devons bien comprendre les enjeux de la société et bâtir la société. Voilà, M. John Tchamala, quel est le décor que vous plantez par rapport au dossier Pascal Mukuna? Merci beaucoup. Je pense qu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas trop commenter parce que ça concerne d'abord la justice. Nous ne pouvons pas nous ingérer dans les dossiers qui sont devant la justice. Je pense qu'aujourd'hui, l'évêque Pascal Mukuna subit les conséquences de ses ennemis. Je pense que sur ces plateaux... Ses ennemis? Bien sûr, oui. Je pense que sur ces plateaux... Soyez direct. On vous dit aujourd'hui que... Il visait un individu, l'éveil patriotique d'abord pour le préciser, n'est pas un parti politique, c'est un mouvement créé pour partager les idées, c'est un mouvement que l'évêque Pascal Mukuna a créé ensemble avec les cofondateurs pour éveiller la conscience du peuple congolais. Et sur ce, en tant que Congolais, il avait des points qu'il visait, aujourd'hui il avait des vérités qu'il avait trouvées nécessaires. Il n'est pas politique, bien sûr, il faut bien le souligner ici, évêque Mukuna n'est pas politique, mais au moins c'est quelqu'un qui a fait mal autant aux politiques, mal positionné. M. Momo dit qu'il est au début de sa carrière politique, il a 3-4 mois avec la création. Il faut le préciser, peut-être M. Momo ne sait pas très bien, évêque Mukuna n'est pas politique, et l'éveil patriotique n'est pas un parti politique. Donc dire qu'il était politique, c'est faux. Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui... Il y avait des vérités devant le peuple congolais et c'est quelqu'un qui avait à dire. Aujourd'hui, vous allez comprendre que juste parce que, qu'il a cité un individu sur ce plateau, M. Momo vous dit, il était mal parti pour avoir dire la vérité sur la situation des Kabila et aujourd'hui, il gênait nos amis du FCC. Je pense que dans ces dossiers, ils sont pour quelque vous chose. Vous voyez une implication du FCC dans l'accession de Dévec Mukuna, c'est ça? Nos amis du FCC, ils se sont réjouis pour montrer noir sur blanc que l'arrestation d'éveil de M. Mukuna les soulage à un moment parce que pour eux, ils trouvaient déjà que M. Kabila, avec tous les crimes qu'il a eu à commettre, l'homme les visait réellement et l'homme prouvait qu'il avait des preuves. C'est le décor, monsieur. Je pense qu'aujourd'hui, son arrestation ne fait pas débat. Nous attendons que la justice fasse son travail. Nous attendons qu'au moment opportun, qu'on nous donne la vérité sur les faits qui lui sont reprochés. Voilà, le décor avec M. John Kumimba. Quel est le décor que vous placez par rapport au dossier Pascal Mukuna aujourd'hui? D'ailleurs, je tiens, je suis en train de sourire quand j'entends les deux membres d'une même coalition. Je vois les FCC cash, TGT, des pierres. Je dois dire ceci. La population doit retenir ceci. Le dossier Mukuna, c'est une distraction. Tout court. Distraction encore. C'est une distraction. En quoi? Puisque eux-mêmes savent ce qu'ils sont en train de faire. Qu'est-ce qu'ils font? C'est une distraction. Pourquoi je dis que c'est une distraction? Je prends par exemple nos amis du FCC. Et sont derrière les dossiers de Mukuna. Ah bon? Je vois nos amis du cash, l'avocat qui a assisté Mukuna et de la présidence de la République. Nos amis du cash doivent le savoir. Ils soutiennent Mukuna. Et ils oublient que Mukuna a été fabriqué de toutes pièces par les FCC. Et à ce qu'on fabriquer Mukuna. Pourquoi fabriquer Mukuna? Il quoi dû annuire que l'église catholique, CLC, Inanja, Makarisana, Dieu qui me faire partir. Nous y allons. Nous y allons. Il faut que la population nous suive. Certainement. Oui, j'arrive. Le FCC, il a créé Mukuna. Dieu a fait contrepoids contre le CLC, contre un Cholet, contre nous opposants. Ah, vous êtes opposition maintenant?
À l'époque, je vous dis quand on a créé Mukuna. Et par après, Mukuna s'est retourné contre l'FCC. Vous savez comment Mukuna est en train de louer Kabila? Oh non, mwana mobali wana, tobete la mama boko, mwana mobali wana saliboye, bate badata election, zemwe di, oh machine a triché, machine a volé. Aujourd'hui, non, Mukuna, je vous dis, c'est une distraction. Mukuna, c'est grâce à Kabila que Mukuna a créé l'FC Renaissance. Il a pris l'argent de Kabila, même s'il ne veut pas le reconnaître. L'ingratitude ne paye pas dans la vie, nous ne cesserons de le dire. Je vous l'ai dit, et Mukuna, si je prends le dossier Mukuna, c'est pourquoi je vous dis que c'est une distraction. Mukuna est comparable, l'FCC est comparable aux États-Unis d'Amérique. Ils ont fabriqué Oussama Bin Laden pour nuire aux autres nations. Et par après, Oussama s'est retourné contre les États-Unis, le 11 septembre. FCC qui fabrique Mukuna. Mukuna connaissait beaucoup de secrets du FCC. Mukuna a été placé comme le chargé, le responsable des églises de réveil pour battre la campagne de Chadari. Mais aujourd'hui, il se retourne contre eux. Je vous dis, c'est une distraction. Quant à nos amis du cash, mes frères, mais vous voulez chercher quelqu'un comme Mukuna, un distrait, je ne sais pas, un troubadour, vous voulez l'utiliser pour nuire aux autres. Mais non! Homme de Dieu, par rapport à quoi? Un homme de Dieu qui n'est pas d'abord reconnaissant. S'il a toute cette fortune-là, c'est grâce à Kabila. Il s'est marié grâce à Olive Lembe. Mais si aujourd'hui il revient puisqu'il croit qu'il va manger de l'autre côté du cash. Je vous dis, qui tue par l'épée périra par l'épée. C'est ce que nos amis du FCC sont en train de vivre. Vous du cash, vous croyez que vous voulez soutenir Mukuna pour nuire à Kabila. Je vous dis, un jour, si vous le soutenez, il reviendra encore vers vous et vous allez le regretter. C'est quelqu'un à écarter. C'est une distraction tout court. Voilà. Alors, M. John, je crois que c'est M. Momo qui a la parole. Voilà. Alors, M. Momo, on vous accuse d'être derrière le dossier Pascal Mukuna. En tout, il y a quatre plaintes. Il y a eu quatre plaintes qui sont déposées contre l'évêque Mukuna. Il y a la première, celle qui a permis à ce qu'il soit interpellé, c'est celle de viol avec russe et menace de mort et ensuite détention illégale de certificat d'enregistrement. Des documents d'autrui. Donc, ce sont les trois infractions. Officiellement, qui ont écroué Mukuna. Je suis étonné ici que les politiciens en herbe, hein, bah politiciens, ça, Mukuna, où est qu'a déjà dossier FCC Ndani. Non. Non, même si on m'a dit que c'est vous. Non. Qui êtes derrière le dossier, vous avez été avec lui. Il était votre pion pour déstabiliser les autres églises à l'époque. Le FCC, c'est un regroupement des hommes responsables, conscients, qui agissent indépendamment de toute pression. Donc, nous avons aussi nos jeunes, les jeunes kabilistes, qui ont posé leur quoi? La famille biologique qui a posé sa plainte. Et un autre groupe politique, toujours appartenant au FCC, qui a posé ses plaintes. Donc, c'est-à-dire que il y a trois plaintes qui ne sont pas encore exploitées contre Pascal Mukuna. Aujourd'hui, la plainte qui est exploitée, c'est celle de Mamie Tchibola et quelqu'un nous dise, ils sont même du même toutes ces plaintes, monsieur Momo, allons-y doucement. Toutes ces plaintes interviennent au moment où l'évêque Pascal Mukuna a commencé avec l'éveil patriotique, où il parle de choses, évidemment, à l'endroit de votre autorité morale. Subitement, les dossiers surgissent. C'est peut-être pour ça que vos co-débatteurs parlent du FCC. Il faut faire la différence. Mamie Tchibola parle de sexe et de violences sexuelles et de détention de parcelles, de documents parcellaires. Le FCC parle de l'injure qui consiste. Le problème, c'est au niveau de la coïncidence. Non, c'est pas une question de coïncidence. Qui consiste à dire que Joseph Kabila n'a de frère que Zoé et Jeannette. Alors que tous ceci, vous êtes à Lubumbashi, vous connaissez ses frères, dont certains se sont comportés correctement, certains en ont abusé, aujourd'hui ils ont honte. Et nous, qui nous sommes bien comportés politiquement, nous revenons, nous sommes là. Comportés bien, ça veut dire quoi?
Ça veut dire que akuna mtu mili pikaka lupi njuni kwa mupe perde au ni kwa mwe vise. Akuna mtu nili chambulaka njuni kwa mwe. Vous étiez avec l'évêque Mukuna hier. Non. Il a battu la campagne d'Emmanuel. Ramazani Shadari. J'ai fait la différence des gens qui soutiennent Joseph Kabila avec raison et de ceux-là qui croient que Joseph Kabila c'est un puits dans lequel ils doivent puiser de l'eau et même atta la mwangi a mundo ina mambapan. Nous, nous croyons que Joseph Kabila, c'est notre frère, nous devons le préserver, nous devons en faire la promotion honnêtement, correctement et proprement. Parce que Joseph Kabila, un amouizi, un arnaqueur, un moutoto moi, c'est un monsieur respectable, respectueux de toutes les personnes. Et ici, je dis encore que les plaintes de compte qui défendent Joseph Kabila contre Pascal Mukuna ne sont pas encore exploités. C'est la plainte de Mamie Tchibola. C'est pas une forme de pression que vous voulez mettre sur l'évêque Mukuna. Non. C'est une forme de pression pour qu'il arrête avec l'évêque patriotique aujourd'hui. Monseigneur Mukuna a, excusez-moi le terme, outrepassé. Votre collègue. Oui, voilà. Oui, je n'ai pas refusé. Il a outrepassé son devoir de réveiller les gens par rapport à une réalité. Nous tous, ce que nous faisons ici, en étant dans des partis concernés, nous nous battons pour réveiller nos frères à la réalité politique pour qu'ils vivent sainement. La politique, on peut la vivre sans s'insulter, sans s'indexer, on peut en rire, on peut se séparer parce qu'on n'a pas le même point de vue ou la même vision, mais elle ne doit pas être un objet qui amène les gens à arriver presque aux insultes, presque au dénigrement. Il faut la faire avec manière, c'est ça? Oui, il faut la faire avec manière, élégance. D'accord. Comme je le dis ici, on est en train de... Il ne faut pas extrapoler. Les plaintes des gens qui défendent Joseph Kabila vont être exploitées. D'accord. Pour l'instant, d'accord, parlons de Mamie Tchibola. D'accord. L'état des droits dont Félix Tshisekedi se fait promoteur suppose qu'on respecte chaque chose, que chaque chose soit d'accord à sa place. Alors, monsieur John Tchamala, vous avez accusé tout à l'heure le c'est derrière le dossier de la dame Mamie Tchibola. Il y a, s'il vous plaît, il y a également une autre plainte qui a été déposée le même jour par une certaine Nicole Chimba Umba. Je crois qu'on va suivre son interview. Elle évoque le dossier de Laurent Désiré Kabila, que l'évêque Mukuna avait évoqué à son temps. Vous ne voyez pas que l'évêque Mukuna est allé vite en besogne avec ses adversaires, en fait, ses amis d'hier, et qu'ils deviennent tout de suite des adversaires politiques. Moi, je m'appelle Madame Chimba Umba Nicole. Je suis venue déposer plainte contre le pasteur Mukuna. Qu'il puisse nous donner, on est de la grande famille de Musée Laurent Désiré Kabila, qu'il puisse nous donner celui qui avait tué Musée. Parce que le pasteur Mukuna a dit très bien qu'il connaît celui qui avait tué Musée Laurent Désiré Kabila. C'est pourquoi je suis ensemble avec mes frères et deux sœurs de la grande famille, ensemble avec moi, pour déposer plainte contre pasteur Mukuna, qu'il puisse nous donner des preuves ici à la justice de celui qui avait tué Musée Laurent Désiré Kabila. Quand vous parlez de la famille, vous faites, la grande famille, vous faites allusion à qui exactement? La grande famille, c'est Mouzo. Elle est composée de qui? Il y a des tribus, il y a... Mouzo a bien dur, Mouzo, c'est Mouzo Mtongwe Neleza. C'est comme ça qu'on dit ça, c'est Mouzo Mtongwe Neleza. C'est composé de beaucoup de membres. Vous voyez, on est nombreux parce que ce confinement, on devrait même arriver à 5000 personnes. Merci beaucoup, mais avant de commencer, je vais préciser une chose sur ce plateau pour dire à mon ami Kumwimba que le cash ne soutient pas Pascal Mukuna. Le cash soutient tout peuple congolais. Aujourd'hui, évêque Mukuna, c'est un fils du pays. Il a le droit de se retrouver partout où il peut. Pour preuve, M. Moussito, l'homme de plusieurs maisons à Kinshasa, non justifié, aujourd'hui, il nous avait rejoint, nous l'avons accepté. Et par après, il a joué à sa traîtrise. Non, mais il n'est pas à l'opposition, donc, il est dans la résistance, M. Moussito. Une précision, c'est que le cash ne soutient pas évêque Mukuna. Alors, revenez à ma aujourd'hui, question. Il y a une plainte, une deuxième, pourquoi pas une troisième, quatre plaintes au total qui pèsent sur lui. L'éveil patriotique n'est-il pas allé trop vite en besogne aujourd'hui au regard de toutes ces matières
qui était traité par l'évêque Pascal Mukuna. Merci beaucoup. Encore une fois, je peux dire félicitations à M. Momo, qui reconnaît la paternité de l'état des droits à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Aujourd'hui, c'est la beauté de l'état des droits qu'on cherchait tous. Aujourd'hui, vous allez comprendre ce qui arrive. Nos amis du PPRD ou FCC s'agitent. Si aujourd'hui, la famille Kabila trouve, entre guillemets, parce que là, il faut le dire ici, que personnellement, je connais famille Kabila, les noms que je peux citer. Non. Je préfère pas qu'on aille dans des citations. S'il vous plaît. Je fais une petite mise au point. Pas des citations, une tout est personnelle. Voilà. Voilà. Allez-y non, aux je idées. Reviens par rapport aux Allez-y plaintes. Aux idées, aux quatre plaintes. Je reviens par rapport. J'ai posé la question. L'éveil patriotique n'est-il pas allé tout de suite en besogne? Pas du tout. Aujourd'hui, il n'est pas tard, ni moins tôt. Aujourd'hui, déposer les actes si on trouve qu'on a la vérité. Patrick, évêque Mukuna pose ses actes en tant que responsable et il est sûr de ce qu'il est en train de faire et il a des vérités que lui-même. C'est pas un acharnement sur la personne de Joseph aujourd'hui, Kabila. Aujourd'hui, vous l'avez suivi sur ce plateau. Répondez-moi. C'est pas Mukuna, un acharnement sur la personne de Joseph Kabila, qui est votre adversaire d'ailleurs de taille au niveau mon frère, de la coalition gouvernementale. Mon frère, qu'est-ce que vous appelez aujourd'hui acharnement? Nous devons faire la part des choses. Chaque peuple et chaque personne est libre de s'exprimer et donner ses idées quand il s'agit de les donner. Aujourd'hui, Pascal Mukuna a trouvé qu'il a des vérités qu'il peut révéler par rapport à M. Kabila. Mais hier, il ne l'a pas, il l'a pas fait. Hier, il était parmi ceux qui ont applaudi Joseph Kabila. Il a battu la campagne d'Emmanuel Ramazan et Jean-Marie. Voilà pourquoi. Et aujourd'hui, revirement spectaculaire. Voilà pourquoi vous voyez cette agitation-là du côté FCC, parce qu'ils savent que évêque Mukuna connaît bien la famille, il connaît bien la maison. Comme ils sont en train de s'agiter en déposant des plaintes à gauche, à droite, donc il y a quelque chose qu'ils savent. D'accord. Monsieur Mukuna vivait avec Kabila, il connaît la famille Kabila, il connaît les FCC. Nous, en tant qu'observateurs, en tant il que était du FCC, c'est ça. En tant que peuple congolais, je ne le confirme pas qu'il était FCC, mais on l'a vu manger, danser avec nos amis du FCC. D'accord. Et cela n'empêche pas en lui la qualité d'un Congolais qui peut aujourd'hui dénoncer le mal quand tu l'as vu le mal. Donc, aujourd'hui, ce que M. Mukuna fait et l'agitation de l'autre côté de nos amis du FCC montre déjà, c'est là où que nous nous posons des questions. D'accord. Pourquoi se précipiter? D'agitation. Aujourd'hui, il y a des plaintes famille Kabila, il y a des plaintes amis kabilistes, il y a des plaintes PPRD et alliés, il y a des plaintes monsieur Moulapou et Mkoumouimba, il y a des plaintes. On se pose des questions. Pourquoi toutes ces agitations? D'accord. Nous devons revenir tout à l'heure, s'il vous plaît. Respectons les minutages. Monsieur Mkoumouimba, vous aviez évoqué tout à l'heure cette question. Je vous pose une autre question directe. L'éveil patriotique de l'évêque Mukuna n'est-il pas allé tout de suite en besogne? Je reviens un peu en arrière. Je dois dire à mon ami et frère Tchamala que même quand il nous parle de la paternité, je ne sais pas quoi, de l'état des droits, oui. Mais apparemment, j'ai l'impression que vous avez une difficulté, mon frère. Et je me demande même si réellement vous représentez votre autorité morale. Puisque à le voir, il est vraiment intelligent. J'ai même suivi sa dernière sortie par rapport à tous ces dossiers, mais je trouve que toi, tu as un peu une petite difficulté. Je dois vous dire ceci. Si aujourd'hui, vous voulez dire que Tshisekedi instaure l'état des droits, M. John, c'est un mensonge. Je vous dis, c'est un mensonge. 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 C'est pourquoi vous n'avez pas d'argument. C'est un mensonge. Pourquoi je l'ai dit? Un président de la République qui couvre un détournement de 15 millions, il dit que... Non, pour d'abord, par rapport d'abord à l'état de droit, c'est ce que vous entendez de dire. Il couvre que ce sont des COP, ce sont des rétrocommissions. C'est ça l'état de droit.
ses frères. Il crée une entreprise aujourd'hui, deux jours après, il a un marché de 60 millions. C'est ça l'état de droit. Sans suivre aucune procédure normale, et vous me dites que c'est l'état de droit. Il y a beaucoup d'histoires, on va en parler. Par rapport à l'éveil patriotique. Non, l'éveil patriotique n'est pas... aller vite en besogne. Mais non, je dis... Non, non, il y a ceci. C'est le problème qui est là. L'idée était bonne de créer l'éveil patriotique. Mais le problème qui est là, ni qui tu as, bi tu as masutu. C'est pourquoi il faut avoir l'homme. Moutou ni oulé qu'on a akiri, en a qui tu as. Et à réfléchir, qui s'est dit que tout, j'ai créé ça, Dieu y a ivi naïvi naïvi. On ne peut pas créer quelque chose, Dieu y a muntu moya. Mais non! C'est ça que nous disons que Bichua a bina normal. Ils ont bien fait leur chose, mais quel était l'objectif de cela? Le but poursuivi, c'est lequel? Ils doivent savoir que par rapport au fait que les anciens chefs d'État, un chef d'État tel que le fait que Kabila a commis. La Constitution, à son article 164, j'y arrive. Il n'y a pas un délai, Non, non, c'est ce que j'ai dit. Il n'y a pas un délai de souscription. Il n'y en a pas. Il n'y a pas un délai de souscription, même après 1000 ans. Sorry. Mais il n'y a pas un délai de prescription, ce que je voulais dire. Mais Mukuna, étant donné qu'il avait tous ces éléments-là, du temps qu'il était aux côtés de M. Kabila, qu'il bouffait l'argent de M. Kabila, pourquoi il ne pouvait pas le présenter? Il disait même qu'il fallait prier pour Kabila, puisqu'il a bien géré la République. Mais soudain, il fait un revirement, il va côté cash, il revient pour dire aux gens, c'est pourquoi j'ai dit, c'est une distraction, on ne peut même pas s'attarder et s'attarder là-dessus. C'est une distraction que nous sommes en train de vivre. Et cela continuera et Fati restera toujours dans cette distraction-là pour qu'il fasse bien son travail. Il va commencer à suivre à la télé, procès Mukuna, procès quoi que ce soit. Une distraction pire et simple, je ne sais de le dire. L'éveil à ses objectifs. Si réellement le membre de cet éveil, je ne sais pas quoi que ce soit, avait des objectifs bien précis et... Pour le bien-être de la population congolaise, oui. Et sous mandat d'arrêt provisoire, vous pensez que les autres membres de ce mouvement peuvent continuer le travail? Mais non, je vous dis, c'est réellement, c'est dans l'objectif d'éveiller réellement le peuple congolais. Mais si c'est dans l'objectif, c'est parce que je n'aime pas l'aîné de Momo Moulapou. On va créer quelque chose sous forme, on se cache dans quelque chose sous forme d'ONG. Mais non, il faudrait que cela soit vraiment l'éveil du peuple congolais, mais pas juste pour un individu. Mais non. Alors, M. Momo Moulapour, avec vous, on va aborder la deuxième partie de ce magazine qui concerne le début du procès de Vital Kamerhe, directeur de cabinet du chef de l'État. D'abord, je vous propose de suivre le début de ce procès. Vital Kamerhe, lors de cette première audience, a dit qu'il intervenait en tant que directeur de cabinet du chef de l'État dans la gestion des fonds alloués aux 100 premiers jours du chef de l'État. Pendant sa prise des paroles, Vital Kamerhe a déclaré être intervenu dans cette affaire comme directeur de cabinet du président de la République. Comme directeur de cabinet ou en toute autre qualité, quel rôle vous avez joué dans les émissions? Mais je suis directeur du cabinet du chef de l'État. Oui. On doit exécuter le programme du chef de l'État. Ce qui est déjà une situation inédite, puisque d'habitude, le programme c'est celui du Premier ministre. Il fallait commencer par là. Mais parce que nous avions un Premier ministre ici d'une assemblée qui venait d'être balayée par une nouvelle assemblée. Et nous n'avions pas un Premier ministre. Donc le président de la République devait croiser les bras pendant 7 mois et ne rien faire. Donc je suis intervenu au nom du président de la République pour que ces travaux se fassent et que nous puissions répondre aux besoins pressants du peuple congolais. Dans le secteur de l'éducation, de la santé, des routes et même la gratuité de l'enseignement chez nous. Puisque beaucoup ne savent même pas que la gratuité fait partie du programme des 100 jours. On choisit ce qui semble créer de la confusion et on avance. Merci.
Il a affirmé qu'ils étaient à 9. Les superviseurs de ce programme de 100 jours, en plus du coordinateur de ce programme d'urgence, Nicolas Kazadi, Kamere a dénoncé ce qu'il qualifie des pièges de questions tendancieuses qu'on lui a demandé de préciser sa fonction. Oui, effectivement, jusqu'aujourd'hui, le président Nela, je l'ai dit, parce qu'il est toujours directeur de cabinet en empêchement et avec un intérimaire. Voilà. Ça veut dire que Vital Kamere continue encore à toucher son salaire, à prendre les avantages dus au rang de directeur de cabinet. Il est difficile d'imaginer un directeur de cabinet qui prend des décisions de détourner des millions et des millions de dollars à l'insu de celui qui l'a nommé, ou alors c'est celui qui l'a nommé n'a pas su bien nommer, et les peuples congolais doivent tirer les conséquences par rapport à sa capacité à bien voir ce qui est bon pour la République. Mais encore une fois de plus, je dis bien, nous n'en sommes qu'au début du procès. Nous n'avons pas l'intention de le juger ici sur le plateau de la RTIV et de le condamner. Nous avons juste l'intention de dire qu'il y a eu des faits qui ont fait tiquer plus d'une personne. On a vu des neveux à Vital, il y a eu pas mal des erreurs, des communications. Des gens qui ont bénéficié du marché des gras grés, voilà, proches de Vital Kamere. Non, pas seulement proche de Vital, mais proche aussi du président de la République et consort. Proche de la présidence, c'est ça. Voilà, de la présidence, mais notre problème à nous n'est pas tant de les accabler, mais de les amener à agir correctement. Le peuple congolais a pris une décision, celui de confier le destin pour 5 ans à Félix Tshisekedi. Nous n'avons pas besoin de revenir là-dessus. De quoi nous avons besoin, c'est que le président Félix réalise la hauteur, la noblesse, la grandeur, la candeur, l'excellence de la tâche et qu'il fasse des choses de manière honorable. Et ce dossier Kamere, M. Mamoulapo, n'est-il pas un début de la valorisation même de la justice congolaise aujourd'hui? Non, la justice a toujours été valorisée. Je vous rappelle qu'il y a le colonel numéro 2 de la police qui est là-dedans. Il y a eu même du temps de Joseph Kabila, je vous donne l'exemple. Il y a le président de l'Assemblée provinciale du Congo central qui est mort en prison. Il y a eu des ministres, les gens oublient vite que un jeune Diomi Dongala, c'est un ancien ministre des mines, Joseph Kabila. Malgré tout ce qu'on dit opposant, tout ça c'est du pipeau. La vérité c'est qu'il y a eu des gens haut placés. On a vu ici un ancien gouverneur ramper dans un avion comme un faux malade. Parce que vous parlez de qui? De Moïse Katumbi. Citez celui Monsieur Koumimba vous dira que c'est un dossier monté de toutes pièces par le FCC pour le quartier de la dernière présidence. Il n'a rien était connu de tous les louchois ici. On nous disait comment lui il avait sa carte. Et il vous dira que la justice n'allait pas être instrumentalisée. Elle n'a jamais été. La justice a toujours été ce qu'elle est aujourd'hui, c'est-à-dire autonome. Et quand quelqu'un va à l'encontre de celle-ci, il la rencontre. Donc c'est pour dire que nous voulons qu'à travers ce projet Vital Kamere, monsieur, surtout le président Félix Tshisekedi, se rende compte de l'excellence de la tâche. Malheureusement, autour de ce dossier, on me dit que même le président national, sur ce plateau, il est impliqué dans cette malversation auprès de la Robank et consorts. Et ça, c'est malheureux. Nous voulons justement. D'accord, monsieur Momo. Alors, monsieur John Tshiamala, ce procès Vital Kamere n'est-il pas finalement ce que l'on appelle un début de la valorisation de la justice congolaise pendant ce temps? M. Momo dit que la justice a toujours été indépendante. Au regard des faits aujourd'hui, quel est le décor que vous plantez par rapport au dossier Vital Kamere? Merci beaucoup. Mais encore une fois, je reviens à mon ami Koumimba pour lui dire que les chefs de l'État n'avaient pas soutenu le mafia à son temps, les 15 millions. Il avait dit que c'est un système qui existait. Lui connaît, il est fonctionnaire de l'État. Il sait dans son bureau, chaque fois quand quelqu'un vient pour un document après, il pouvait dire « Je sais que c'est ce qu'on appelait rétrocommission. Nous avons trouvé cela. » Et le chef de l'État n'a jamais soutenu. Il avait dit qu'il était contre cela. Alors, mais par rapport à la vérité, aujourd'hui, je pense que le peuple congolais se retrouve aujourd'hui honoré. C'est pour la première fois qu'il faut les souligner qu'un proche, pas le moindre, d'un chef de l'État
congolais est interpellé et mis en prison. Et pas n'importe quel proche, c'est lui qui a la confiance du chef. Le chef de l'État l'avait bien dit. Aujourd'hui, avec l'état des droits, il n'y a pas les plus supérieurs et les intouchables. L'exemple est là. Mais nous, nous disons... Non, mais l'exemple est là. M. Momo a évoqué cette question, comme M. Koumimba l'évoque également régulièrement. Comment les présumés détournements, comment le chef de l'État n'a-t-il pas été au courant qu'il y a des fonds qui ont été sortis et qui n'ont pas été utilisés correctement, en quelque sorte? Encore une fois, il faut le préciser ici et dire à mes amis... Et sur ce plateau, il faut préciser à mes amis ceci. Le chef de l'État ne sera pas partout... Et il n'est pas partout pour voir par telle ou telle décision prise, qu'est-ce qui a été fait et qu'est-ce qui n'a pas été fait. C'est à l'exécution des tâches données que le chef de l'État peut aussi constater que voilà ce qui a été donné comme tâche à tel ou tel. L'ordonnateur principal, ce n'est pas le directeur de cabinet, Aujourd'hui, nous disons ceci. Monsieur Kamere a été appelé devant la barre, comme le dit nos amis de la justice. Ce n'est pas au chef de l'État de juger et de conclure, parce que M. Momon venait de le dire, ce n'est pas sur le plateau de la RTIV ou sur la rue qu'on doit conclure ou charger M. Kamere. C'est à la justice d'éprouver réellement l'innocence de M. Kamere ou bien la culpabilité de M. Kamere. Dire aujourd'hui qu'il a volé, c'est encore tôt parce que le dossier n'est pas encore clos. Aujourd'hui, nous sommes qu'au niveau de l'instruction où la justice est en train de suivre chaque étape. Nous devons attendre. Mais je reviens encore sur un point en passant parce que mon ami sur ce plateau, M. Moulapou, venait de l'évoquer pour dire ceci. Aujourd'hui, nous sommes spécialistes aux spéculations. Écoutez, ce n'est que la justice qui peut dire la vérité. Ce n'est que la justice qui est habilitée à trancher et à préciser tout ce qu'il y a comme malversation financière de telle institution ou tel individu. Aujourd'hui, tout ce qu'on peut parler sur les noms de mon président, là je l'ai dit, sur ce plateau, je dis bien, s'engage que tous ceux qui sont en train de le dire, parce que aucune ordonnance n'a été signée révoquant Vidier Chimanga. Aucune preuve n'a été présentée par telle ou telle institution parlant de détournement. Et je ne sais pas qui l'a détourné ou comment l'argent affecté où. Ça, ce n'est que Koumimba et M. Moula pour qui ont déjà leur version. Mais ici, je suis la bouche autorisée. D'accord, je vous dis bien que ce qui s'est dit, c'est le réseau et nous ne pouvons pas répondre... Au bruit de la rue, d'accord. Nous disons aujourd'hui c'est monsieur que la vérité qui a la parole. Est là. Mais ce que nous précisons encore... Vous allez parler, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Une seconde. Je vous dis ici que c'est la justice. Attendons. Si s'il vous plaît. Coupables... S'il vous plaît. Monsieur Koumimba est très jaloux de cette minute. Alors, allez-y. Une seconde. Après avoir eu les camouflés que le président a avec Vital Kamere, il ne voudrait pas faire la même chose avec Vidier. Donc, ne voilà. Vous en faites pas. Alors, M. Koumimba, rapidement. Je dois dire ceci. Je suis en train de voir comment mon frère est en train de pleurnicher. Il parle des preuves, mais chaque fois, il ne cesse d'attaquer mon leader. Je dois vous dire que si on aborde... Si, c'est ce que j'ai dit. Si on va dans ces débats-là, tu n'auras pas à dire. Je dois dire ceci. Je dois dire ceci. Mon frère du cash doit savoir que l'article 12 du règlement général de la comptabilité, générale de notre pays, stipule que l'ordonnateur principal de la dotation présidentielle, c'est le chef de l'État. Le directeur de cabinet agit par délégation. Il a le rapport chaque jour. Et je me demande... C'est pourquoi je vous dis, il y a certaines histoires même qu'un bébé peut comprendre qui échappe à Félix Tshisekedi. Il faut le savoir. Premièrement, il devrait te dire quoi? Quand Kamere nomme, quand il a nommé l'équipe de supervision,
Kamere qui dit que non, c'est parce que il y avait un premier ministre, comme il y avait une assemblée qui était arrivée, était déjà balayée, c'est ainsi qu'il y avait une supervision, une coordination. Mais non, c'est un mensonge. Comment expliquer que Kamere se donne les kilos dénommés des ministres comme de supervision? C'est déjà de magouille. Il nomme les ministres du budget, il nomme les ministres de finances, il nomme les ministres des ITPR, il nomme d'autres membres. Ils étaient ministres de finances. Dit qu'ils jouaient le rôle des ministres. Je vous dis, Kamere n'a pas joué le rôle du ministre. Kamere s'est substitué un constatateur. Vous comprenez? Liquidateur et ordonnateur. Engageur. Ordonnateur, puisque il a fait, puisque le fait de prendre ces ministres-là, budget, finance, il les met et il les chapeaute. C'est lui qui fait tout. Puisque si réellement il a laissé faire, c'est parce que tu sais qu'il y a un problème de gestion. S'il était compétent, je vous dis, s'il le savait, il allait annuler cette histoire-là. Comment expliquer? Puisque si pour qu'il y ait une transparence, on prépare tous les documents, la supervision prépare et la coordination, on envoie au budget et le ministre des Finances paye. Il y aura traçabilité, il y aura un bon suivi. Mais il prend, il les met dans sa poche. Et c'est qui dit qu'il accepte? Il les met dans l'équipe de... Oui. Il a dit quand il était dans sa poche. Mais il a accepté, ils ont dit, ils travaillaient, mais non, mais je ne vous comprends pas. C'est ce qu'il a accepté. Puisque pour une bonne gestion, on ne pouvait pas avoir dans l'équipe de supervision le ministre des Finances et le ministre des Budgets. Ils ont fait un conglomérat. Mais je vous dis, ils ont créé une cellule que Kamere était en train de chapeauter, c'est ce que vous devez savoir. Et au vu, je vous dis, sur la barbe de Tshisekedi. Et aujourd'hui, vous voulez me dire que c'est une bonne gouvernance. C'est ça la gestion? Vous êtes en train de tuer la République. Et vous voulez seulement parler de Kabila. Vous êtes en train de tuer la République. Tenez, le même président de la République, s'il arrivait que Kamere est coupable, je dis bien s'il arrivait, comment expliquer qu'un président de la République, il sait qu'il y a une équipe de supervision, ils sont nombreux de 9. Kamere en prison. Kamere, lors du premier procès, il cite nommément. Toi, président de la République, tu prends la personne qui a été citée nommément et que tu connais, que tu avais signé les documents et les superviseurs, tu les nommes, tu signes encore l'ordonnance pour qu'il fasse l'intérim du directeur de cabinet. Mais c'est quoi ça? Ça, c'est quel genre de gestion? Au contraire, étant donné qu'ils étaient cités, ils ne pouvaient plus. Au contraire, ils pouvaient avoir une suspension préventive en attendant que la justice termine son travail. Comment ils pouvaient encore le nommer? C'est ça la gestion dont vous nous parlez? Pour vous, votre bonne gouvernance, c'est seulement dilapider l'argent du trésor public? Au moins, je vous parle, vous, quand vous êtes arrivé au pouvoir. Kabila avait laissé combien en banque? Près d'1,480 milliard de dollars. Vous êtes arrivé, vous avez tout fini, vous, avec vos soi-disant programmes, avec l'affaire de Kamere. Non! Au moins, je vous parle, le premier trimestre de l'année 2020, il y a eu déficit de combien dans la trésorerie? Près de 400 millions de dollars comme déficit. Et aujourd'hui, vous voulez maintenant mentir parce qu'il y a coronavirus. Est-ce qu'au premier s'il y avait coronavirus, vous aviez déjà un déficit? C'est ça votre façon de gérer? Et après, vous voulez me dire que vous avez une bonne gouvernance. Qu'on revienne sur ça. Quel genre de bonne gouvernance? Il y a plusieurs dossiers. Vous voulez que je pingle ça? Non. Ah, revenons à votre question. Non, vous pouvez me rappeler, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Non, s'il vous plaît, oui. S'il vous plaît. Non, s'il vous plaît, oui. L'image actuelle de la justice congolaise. Je dois vous dire ceci. Je dois vous dire ceci. L'image de la justice congolaise, elle est la même. Ça n'a pas encore changé. C'est pourquoi je vous dis, Tshisekedi ne peut pas se dire qu'il s'est donné cette paternité. Il y a plusieurs dossiers. Quand je vous dis, je dois les épingler. Qui sont encore pendants et qui n'ont jamais été traités par la justice. Mais vous allez voir, pour les dossiers qui impliquent les autres, il faut voir la célérité avec laquelle on traite ces dossiers-là.
Mais pour d'autres dossiers, c'est toujours pendant. C'est, on ne touche même pas à ça. Mais non, et vous allez me dire que vous avez fait l'indépendance de la justice. Alors, il y a l'UNC, l'Union pour la Nation Congolaise, Fédération de Lubumbashi, qui avait organisé même une marche, le gros de ce message, ou du message de la Fédération de Lubumbashi, exigeait toute la vérité sur la gestion des 100 jours du chef de l'État. Des dizaines de militants de l'Union pour la Nation Congolaise UNT qui ont participé à cette marche ont réclamé une justice équitable en appuyant leur président national Vital Kamerhe Lwakaningiri. C'est en premier lieu une journée de soutien à notre leader. Tout le monde sait que Vital Kamerhe, depuis toutes ces années, qu'il est à la gestion de la chose publique, il a toujours fait preuve d'une gestion saine et orthodoxe. Donc nous ici, nous sommes de cœur avec lui et nous exigeons un procès juste et équitable. Et en cours de route, nous voulons témoigner notre attachement, notre amour à notre président national. Vous le savez bien que notre président, c'est l'un de ceux qui soutiennent l'état des droits dans ce pays. Et nous, le but ou le mobile de cette marche, c'est que nous voulons que la loi, rien que la loi, soit dite. D'aller petit à petit vers le parquet général de Lubumbashi, juste pour témoigner notre... D'abord, à tout ce que nous faisons, hein, nous voulons que les choses puissent être claires. Et voilà, nous sommes debout pour soutenir notre président, puisque jusqu'à la preuve du contraire, il est présumé auteur. Il est présumé innocent. C'est un principe de base. En fait, nous ne pouvons pas dérober de ça. Alors aujourd'hui, des commets des mortels, Kamerhe volait, voilà pourquoi nous voulons que la justice soit indépendante. Aussi soutiennent-ils l'accord de Nairobi à la base de la création du camp pour le changement cash qui a porté l'actuel président de la République à la tête de l'État. Et par cette journée, nous réitérons encore notre soutien à l'accord de Nairobi. Vous savez que c'est l'accord qui a porté au pouvoir l'actuel président de la République. Et cet accord qui portera en 2023 l'UNC à la magistrature suprême, c'est-à-dire cash. Vital Kamerhe est détenu et actuellement le procès est en cours dans le cadre de la gestion d'un fonds alloué au dossier 100 jours du chef de l'État. Voilà. Merci beaucoup, auteur et co-donateur, d'avoir commencé à introduire la vérité. La vérité, c'est que les 100 jours ont été un programme illégal, anticonstitutionnel et vexatoire par rapport à la sérénité et la dignité du peuple congolais. C'était une erreur, je crois, des débuts de notre président, Félix Tshisekedi. Et comme je dis, il lui reste encore à peu près 2-3 ans et qu'il peut toujours se rattraper. Nous croyons à la capacité du président de s'améliorer. C'est pour ça que nous disons que les 100 jours ont été réellement une erreur. Et même si c'était une erreur, c'était même... Les 100 jours ont été une erreur, c'est ça, monsieur. Voire une faute. Parce que ça veut dire quoi? C'est le peuple congolais qui bénéficierait. Non. Vous n'allez pas dire à ces gens-là qui vont bénéficier de logements sociaux. C'est une faute. Faire que selon les lois de la République, il y avait un gouvernement en place. Et le fait que ce gouvernement là-bas était celui qui devait attendre un autre qui devait venir, ne donnait pas le droit au président de la République de s'arroger le pouvoir. On n'est pas au président la capacité d'avoir ces 100 jours, ces 2 jours, voire son un seul jour. Alors, M. Momo, je vous accorde la parole pour la conclusion rapidement. Voilà, je finis par dire qu'il est regrettable ce qui est arrivé. Je ne crois pas que les hommes politiques, les hommes de Dieu ne peuvent pas faire de la politique, mais il y a manière de faire de la politique. Nous ne sommes pas en guerre pour nous exterminer mutuellement. Nous savons que chacun de nous est limité à gauche et à droite, mais qu'il faut savoir se compléter. Nous devons nous compléter, chers frères, et faire la politique, surtout en sachant que nous sommes avant tout la lumière, nous sommes avant tout le sel du monde. Les faiblesses humaines peuvent arriver, mais il faut faire en sorte que ces faiblesses humaines ne soient pas finalement ce sur quoi nous sommes jugés. Nous devons toujours nous rappeler que nous portons en nous la lumière de Dieu et que nous devons l'incarner. Alors, pour ce qui est de M. Vital Kamerhe, comme je viens de le dire, ça ne sert à rien de pérorer, de faire du juridisme au-dessus de ça. Pour moi, c'est simplement que les 100 jours eux-mêmes sont illégaux. Ces 100 jours sont anticonstitutionnels, ils sont vexatoires
Ils ont humilié un gouvernement. Bien qu'ayant bénéficié ou qui pourrait bénéficier au peuple congolais. Tout ce qui peut se faire en dehors des lois n'est pas bon pour la croissance. Parce qu'aujourd'hui, on en arrive à mettre des pères de famille. J'ai vu le Libanais Jamal Samir en train de pleurer, voulant vraiment... Mais il dit ne pas reconnaître Kamere. Il dit ouais. qu'il n'a jamais vu Vital Kamere. Ça, c'est justement des conséquences de faire des choses de manière illégale. Et je regrette beaucoup que notre pays soit passé par là, mais j'espère que nous n'allons plus jamais faire ça. D'accord. Alors, je donne votre conclusion à ce magazine. Merci beaucoup, Monsieur José. Il faut préciser et dire à Monsieur Momo Moulapou que le chef de l'État, il est le garant des bons fonctionnements des institutions. Il n'est pas libre de... Il doit être, il est omélé. Si au-dessus de l'omélé, c'est ça. Il est au-dessus même. Donc, c'est ici qu'il faut préciser que le chef de le chef de l'État, il est au-dessus de mêlée, donc il est le garant des bons fonctionnements des institutions. Les 100 jours du chef de l'État n'étaient pas une erreur. Les 100 jours du chef de l'État, il était là pour la continuité. La continuité de la chose publique, les chefs de l'État ne pouvaient pas attendre que le gouvernement soit nommé pour que le fonctionnement commence. À M. Kumwimba, il doit connaître sur ses plateaux que quand il donne l'argent à sa femme pour payer des tomates au marché, la petite notion que je lui donne sur ses plateaux, c'est lui dire qu'il ne connaît pas combien sa femme a embauché après avoir fait les idées, le PQ est resté. Donc, aujourd'hui, les chefs de l'État, les dépenses utilisées, si on vous a donné, les chefs de l'État, à signer l'ordre de faire sortir tel pour affecter partout, je pense que la suite ne concerne pas. Mais il revient en tant que chef de l'État pour contrôler. Voilà, après les contrôles, John, nous sommes les à la concernés fin. Sont là. Et ici encore, j'ai conclu pour dire aux politiques que nous sommes, qu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas nous ingérer dans ce qui concerne la justice. Merci. Laissons la justice faire son travail. Merci, monsieur du, John, temps de, du temps de Kabila, tout le monde pouvait piller. On a vu Mouzito, premier ministre, s'acheter des maisons en désordre sans être poursuivi. Merci. On a vu nous à la fin, s'il vous plaît, ici John, nous construire des avenirs en désordre. De clôturer. Et nous disons, nous, avec Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, nous disons aujourd'hui, l'état des droits, c'est laisser Merci. La justice faire son travail. Les agitateurs peuvent s'agiter comme ils veulent, mais tout le monde peut dire tout ce qu'il pense. Mais nous précisons ici, jamais nous allons nous ingérer dans ce qui concerne la justice. Ah, j'ai aimé mon co-débatteur du cash reconnaît tacitement que Félix Tshisekedi a un problème de gestion. Là, tu reconnais tacitement. Quand tu as reconnu tacitement, en disant, tu donnes l'exemple là vraiment vulgaire, quand tu remets à ta femme, tout ça. Tu dois savoir que en matière de gestion, l'étape la plus... La phase la plus importante, c'est les suivis. Tu pars avec ta femme au marché pour voir combien tu as. Je ne te comprends pas. Je vous dis, en matière de gestion, la phase la plus importante, c'est les suivis. Un chef sans suivi, c'est comme des coquilles vides. Un chef sans suivi ne le mérite pas. On ne peut même pas l'appeler chef. Et il continue même à dire que le chef de l'État est au-dessus de la Constitution. Vraiment, mon frère. La Constitution donne les pouvoirs. C'est le garant de cette institution. C'est pourquoi. C'est pourquoi il a. C'est moi qui ai la police de débat, s'il vous plaît. Merci. Est-ce qu'il peut retirer ce qu'il dit là, des bêtises? C'est pourquoi il a, quand il dit il est au-dessus de la Constitution, c'est pourquoi il a laissé faire même s'il est arrivé. Je dis bien que Kamere, je conclue maintenant, Kamere est reconnu coupable du détournement. Je vous dis, je le répète encore, si Fatih était au courant
je dis bien, si Kamel est reconnu coupable et que Fati n'était pas au courant de ce détournement, moi je vais dire qu'il est incompétent. Mais s'il était au courant, Fati est de mèche avec Kamere. C'est ça ma conclusion. Et Fati doit apprendre à faire les suivis. L'argent qu'on est en train de dilapider, c'est l'argent du contribuable congolais. C'est pas votre argent, c'est l'argent de l'État. Il faut qu'il y ait un suivi. Un chef sans suivi n'est pas digne d'être appelé chef. Mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de ce magazine. Merci de l'avoir suivi. Nous avons échangé notamment sur les questions qui concernent l'évêque Pascal Moukouna qui est placé sous mandat d'arrêt provisoire par la justice congolaise après de 4 plaintes déposées contre lui. De plainte en tant que responsable de l'éveil patriotique. Nous avons échangé également sur la question qui concerne le début du procès Vital Kamerhe avec M. Moumoulapou, cadre du FCC. Merci à vous, M. John Tchamala. Il est justement président général de la DCU de Vidi et Chimanga. M. John Kumimba, qui ne se réclame pas opposant. Il est non, je suis résistant. Voilà. Nous sommes des résistants et pacifiques. Président interfédéral de Nouvelle-Élan. Ce magazine se referme. L'on se retrouve la prochaine.